Non, sincèrement. Et à part les documentaires, je suis fan des films d'horreur. Il y a des gens qui aiment les films d'horreur par applaudissement ici? J'adore. Sincèrement, j'adore les films d'horreur. Seulement, je me dis, à chaque fois que je regarde ces films, les réactions des Blancs dans ces films m'énervent un peu. Pourquoi les Blancs aiment toujours chercher les problèmes? Ça y est. Hein, la vie est facile, les amis. Il y a certaines choses que nous, Africains, on n'oserait jamais faire dans un film d'horreur. Jamais. Je t'explique. Il est 2 heures. Vous dormez avec votre copine. Et là, vous entendez la porte faire « coin ». Mon cher, dors! Dors! Et dans ce genre de situation, tu as la femme européenne qui dit « Jean-Marc, va voir, on toque à la porte. » Et son gars n'a pas peur, il dit « Ben, qui est là, ça s'appelle l'hippopète ?» Il y a quelqu'un? Comme si les zombies allaient dire « Frère, je suis là en train de fumer, attends. » Et il y a la réaction de la femme. Imaginez les Africains. 2 heures du matin, tu entends la porte faire « coin ». Première réaction, la femme dit « Chérie, n'y va pas, c'est un sorcier. » Sorcier. Et là, tu as l'homme qui dit « Donc, tu pensais que j'allais voir. » On est différents. Pourquoi vous cherchez les problèmes? Autre situation, 3 heures dans une forêt, vous tombez sur une maison abandonnée. Il y a des sons bizarres. Oh, synthé. Bang, 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 bang. Et c'est là que les Blancs disent, on doit aller voir. Non, ça aurait été l'Afrique, elle allait dire, bon, les gars, là, il est 2 heures, moi, je suis encore là, je sais. Sérieux. Et d'habitude, quand ils entrent, ils tombent toujours sur un livre, un gros livre, une bibliothèque avec un gros livre où c'est écrit les portes de l'enfer. Et il y a toujours un Blanc qui dit, on doit lire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Mais j'ai un témoignage pour les Blancs quand même, ça c'est très important. Les Blancs ont le sens du sacrifice, toujours. Quand un Blanc est mordu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux autres, partez, courez, je suis mordu, je vais retenir les zombies. Allez, courez, protégez ma famille, c'est fini pour moi. Hey! Les gars, vous imaginez l'Africain dans ce genre de situation. Le gars, il est là comme ça. Les zombies arrivent. Mais comment on m'a mordu encore là? Les gars, fouillez! Partez! Mais ne fermez pas la porte, j'arrive!